Voilà. Les talmudistes se partagent en deux écoles souvent rivales, celle de Hillel et celle de Shammai. Hillel, remarquable par son humilité, par son esprit de charité et de bienveillance envers tous les hommes. Shammai, inflexible dans ses principes, souvent emporté, inclinant vers la sévérité. Au fond, les deux écoles s'accordaient, mais elles différaient sur l'application. On trouve dans le Talmud un grand nombre de passages où Hillel et Shammai sont mis en présence. Je me convertirai à ta religion, dit un païen à Shammai, si tu parviens à me l'enseigner pendant que je me tiens debout devant toi sur un seul pied. Shammai, irrité, le repousse avec violence. Cet homme alla auprès de Hillel, à qui il fit la même demande. Hillel l'accueillit et prononça ces magnifiques paroles. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît, c'est là toute la loi. Le reste n'en est que le complément et le commentaire.